Bonjour, je m'appelle Mathilde et je suis chargée de l'économie sociale et solidaire chez Écosystème. Moi, mon travail, c'est vraiment de travailler main dans la main avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On travaille avec des associations du coup qui collectent, rénovent et revendent à prix solidaire des appareils électriques. Et l'objectif, c'est d'allonger la durée de vie des appareils. Ce qu'il faut savoir, c'est que les associations avec lesquelles on travaille, elles ont beaucoup recours à des emplois en insertion. C'est-à-dire que non seulement ces associations, elles permettent d'allonger la durée de vie des produits, leur donner une deuxième vie, mais en plus, elles permettent à des personnes de retrouver le chemin de l'emploi. Nous, au quotidien, on va essayer de travailler avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire et on va les aider à se professionnaliser. Donc, ça peut passer par de la formation, mais aussi ça peut passer par de la rénovation d'ateliers ou de la rénovation de leur magasin, par exemple. Et on va aussi travailler pour leur mettre à disposition davantage de gisements pour qu'en fait, ils puissent rénover le maximum de machines possibles. Moi, je suis arrivée en 2019 chez Écosystème lors de mon stage de fin d'études. Et à l'époque, j'étais vraiment à la recherche d'un métier porteur de sens. Et c'est tout à fait ce que je retrouve aujourd'hui en aidant les acteurs de l'économie sociale et solidaire avec lesquels j'interagis. Et en plus de tout ça, mon métier, ça permet de limiter la production de déchets, donc de limiter les émissions de CO2 en général. Et c'est pour ça que je me sens bien aujourd'hui chez Écosystème, parce que ça rejoint vraiment les valeurs que je porte.